Yo tout le monde, c'est Yaya, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans ce film de là. Je vais vous parler du prochain DLC qui arrive dans quelques semaines les gars. On s'approche de plus en plus de ce nouveau DLC. Mais malheureusement, au jeton de la vidéo, nous sommes le 3 juin 2022. Nous avons encore aucune, mais vraiment aucune information officielle de la part de Rockstar. À part l'indice qu'ils nous ont mis Rockstar le jeudi vers les alentours de 20h. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo là, je vous la mettrai en description, c'est tout simplement ma toute dernière vidéo qui est sortie hier vers les alentours de 16h-17h hein, où je vous parle de l'indice que Rockstar nous ont balancé, donc je vous invite à la voir. Et dans ce vidéo là je vous parlais du prochain DLC, la date, bien sûr ce que je veux dire dans ces vidéos là n'est rien officiel de la part de Rockstar, ça va être des suppositions. Et puis voilà, mais avant que la vidéo commence, si vous kiffez ce contenu de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner hein, en activant la cloche des notifications, désolé, comme ça dès qu'il y a une prochaine vidéo, bam, vous recevez la notification et ça, ça fait plaisir. Le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Bon, Rockstar Actu tout simplement a sorti un article aujourd'hui où je tourne la vidéo qui est vendredi. Mais bon, vous allez la voir samedi, demain tout simplement la vidéo. Il a sorti un article où je mettrai déjà sa source en description, son article hein, que je trouve vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo, hein, je vous partage ces informations là. Même si lui-même ne connaît pas vraiment officiellement la date du prochain DLC, mais bon. Faut le faire confiance lui hein, parce que il dit pas n'importe quoi. Bref, tout simplement il dit que c'est possible que le prochain DLC sortira le 19 ou le 26 juillet 2022. Pourquoi il dit ça? Parce que tout simplement on a l'habitude que Rockstar nous sort des DLC en juillet, même si les DLC pourraient arriver en août, mais la plupart des DLC, on le sait bien, en été ça sort la plupart en juillet. Et pourquoi le 19 et le 26? Parce que tout simplement, le 26 et le 19, ça tombe un mardi. Et pour ceux qui connaissent bien Rockstar, ils ont l'habitude de nous sortir des DLC les mardis ou les jeudis. Mais plus souvent, les mardis. Après, ils peuvent nous sortir un DLC un samedi ou un dimanche, même si c'est très très rare, hein, même si je pense qu'ils n'ont jamais fait ça. Le seul jour où ils ont sorti un DLC hors mardi et jeudi, c'était mercredi. Bah, c'était le tout dernier DLC, hein, le DLC The Contra. Ils l'ont sorti le 15 décembre, qui est tombé un mercredi. Mais bon, faut pas oublier que quand ils nous ont sorti ce DLC là, de base il était prévu pour le 7 décembre. Il y avait un petit retard donc ils l'ont sorti le 15 décembre qui est tombé mercredi. Mais de base Rockstar nous sort les DLC les mardis ou les jeudis. Les jeudis il y a les promotions de la semaine donc je pense qu'ils vont sortir le DLC le mardi. Et en juillet nous avons tout simplement le 5, le 12, le 19 et le 26. Mais le 5 et le 12 je pense que c'est trop tôt pour un DLC. Donc je pense ou le 19 ou le 26, nous allons avoir le prochain DLC qui arrivera très bientôt. Hein. Franchement, j'ai super hâte de tester ce nouveau DLC en live et tout avec vous, la team. Donc voilà, bien sûr, prenez ça, ces informations-là avec des pincettes, les gars. Ce n'est rien d'officiel, je le répète, parce que j'ai l'impression qu'il y a des abonnés qui comprennent vraiment, mais rien du tout à ce qu'on dit, nous, dans les vidéos en tant que YouTubeurs. Donc voilà, c'est des suppositions, ce n'est rien officiel de la part de Rockstar. Et moi, je suis d'accord avec lui, ça pourrait sortir le 19 ou le 26 juillet 2022. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous dire une supposition du prochain DLC. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo-là. Allez, salut !